Choose your character! Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, aujourd'hui on se retrouve, oui on se retrouve pour un autre épisode, épisode numéro 17 me semble-t-il, sur Guardian of the Galaxy. Oula, l'ombre est très mal faite, avec mon magnifique moulet, le moulet, oh oui, il est beau, non, je mange le moulet. Et du coup, nous nous retrouvons sur une nouvelle planète. Drax est passé du côté obscur, hein. il a maintenant des nouvelles lentilles de contact violettes. Il a pris la promesse avec lui, il nous a planté sur une planète bizarre. On a réussi à s'échapper de nos chambres, hein, parce qu'il nous avait enfermés dans nos chambres. Mais grâce au chant de la magnifique chanson Don't Worry Be Happy, le lama de l'espace, là, le lama galactique, a pu bouffer les câbles. Ils sont... Oui, les câbles déjà. Ils ont bouffé. Ah, les câbles là pour ouvrir les portes. Et maintenant, on est parti rechercher Drax et lui dire que c'est pas bien d'être méchant. Il faut pas... La promesse, c'est une hallucination. Il faut lui faire comprendre que ça va pas rendre vraiment les êtres perdus. J'ai à peine eu le temps de réparer les moteurs avant que Drax m'enferme. Et même pas fermer l'œil. Je s'appelle Groot. Bon. Il était bien obligé de me laisser finir. Comment il aurait fait pour venir ici sinon? C'est pas faux. C'est okay, parti. On y va. Ouh. En tout cas, une très jolie planète pour le moment. Pas ici. Est-ce que tu sais où on en est? Dans un fichu lagon. Combien de fois je vais devoir vous le dire? J'ai horreur de l'eau. Hey. C'est pas moi qui atterris ici, ok? C'est Drax. Ah, c'est dégoûtant. Oh, c'est une blague. Ah, j'aime pas être mouillé. Enquête. Ça va? Ouais, moi mes converses aussi vont être trempées. J'aime pas l'eau. J'aime pas être mouillé. Je déteste bosser gratuitement. On n'est pas ici pour être payé. On est venu pour sauver Drax. Oh, là c'est le Milano. Je peux avoir des infos sur ces pénis blancs géants. Pour quelqu'un qui est déjà venu ici, t'es pas très bavarde. Attendez, c'est la Mantis, la planète des prêtres de Pama. Oh bah super, encore des illuminés. Ce sont pas des illuminés, ce sont des réfugiés pacifistes. Les pacifistes, c'est encore pire. Je s'appelle Groot. Tu les as vus sur Nowhere? Alors, comment tu connais cet endroit? Je suis venu après une mission qui a mal tourné. Quel genre de mission? Ça impliquait ma sœur. Et il y a plus important pour l'instant. C'est vrai qu'on a toujours pas vu les Drax là. Pense que c'est la planète de la matriarche, il y a un problème. Ça va bien piquer le cucu, ça. Le village est dans cette direction. Alors allons-y. Droit devant. Groot, tu suis, hein? Oui, c'est bien. Oui. Arrête de me prendre la tête avec ça. Dis-moi qu'on va pas traverser un océan. Un bout d'océan seulement. Ne tombe pas et tu seras pas mouillé. Rassure un peu, Rocket. Si tu tombes, Gamora sautera pour te récupérer. Ah oui. Tu crois? Oui, parce qu'on est une équipe. Et Gamora a le meilleur réflexe. Je crois que je préférerais me noyer. C'est pour ça que j'aime beaucoup le jeu aussi. Il y a beaucoup d'endroits de nouvelles planètes et on peut dire quand même qu'il y a une belle imagination sur certaines planètes. Personne ne va tirer sur Drax. Mais t'étais prêt à tirer sur Rocket? Ouais, qu'est-ce que j'ai fait, Quill? Drax a besoin de nous. Et je vais faire de mon mieux pour l'aider. On va tous faire de notre mieux. Il y a des bruits. Ignoble menteur. Où est-elle? La matriarche. Ah, mais on l'avait déjà vu avec Mantis, lui, le monsieur avec sa tenue en coton, là, ou je sais pas quoi. Elle m'a fait venir ici pour me rendre ce que j'ai perdu. Rocket, un petit coup de main. C'est sûr que ça va aider. Oh, on va pas se battre contre Drax quand même. Salut les gars. Bah salut Mantis, je parlais de toi justement. Quand on parle de Mantis, on y voit les antennes. Oh cool, on va pouvoir enfin voir Mantis. Oh, oh, oh. Oh oui, c'est une ninja. J'aime beaucoup cette tenue à Mantis pour se gagner la galaxie. Mantis? Comment est-ce que t'as... Quoi?
Oh, ça ! Laïsoma un jour a appris l'art de frapper un même endroit en plusieurs temps. Où c'est Omphat qui me l'apprendra plus tard. T'inquiète pas, le vilain tout vert va bien. Un peu de choses près. Qu'est-ce qu'on fait ici, Mantis ? Je lui ai dit de venir. Sur Nowhere. J'ai vu une réalité dans son esprit. Les mensonges qui piègent. Vous auriez fait quoi à ma place ? Murmurer une nouvelle trajectoire, bien entendu. Ah, c'est toi qui l'as fait venir ici. Chut. Ça va aller. Reste avec moi. Dans le noir, en silence. Je rappelle que Mantis, elle peut contrôler les esprits et tout ça. Hein. Elle peut voir un peu aussi de toutes les diversions futures et tout ça, oh, apparemment aussi. Non. Pas dans cette réalité. Ah. Venez, la grotte affreuse est par là. La quoi ? La grotte affreuse. Là où nos futurs les plus noirs s'entremêlent. Noir signifie inconnu, pas mauvais. Ouh, ça fait beaucoup de citron quand même. Ça, ça doit bien mauvais. Piquer quand même. Mais pas pire que les futurs que j'ai entrevus. Beaucoup de limonade aussi. Parce que ceux-là, ils étaient vraiment mauvais, très mauvais. Peut-être sponsorisé par Fanta. Quelqu'un peut me traduire son baratin, là ? Je s'appelle Groot. L'essentiel, c'est... Où c'était ? Où ? J'en étais arrivé où avant l'essentiel ? La grotte affreuse. Ah oui, c'est ça. Son robuste cœur de guerrier déborde de chagrin. Dans tous les futurs, c'est lui qui perd pied. Mais dans certains, on le sauve ici. Regarde quand même, on voit un petit peu sous ta espèce de robe-jupe de combat. C'est très perturbant. Et on est arrivé, là où les Kotati prennent racine. Alors, juste pour que tout soit clair, il y a une ligne temporelle où toi et moi... Peter, s'il te plaît. Ouais. C'est quoi un Kotati ? Je s'appelle Groot. Des hommes plantes, comme Groot, mais tout pourri. Les Kotati sont des pacifistes extrêmement évolués, hautement sacrés qui nous honorent de leur pouvoir de méditation. Ils gardent aussi les secrets de la grotte ancestrale. Aucune chance qu'ils baissent leur garde ? Oh non, ils prennent cette tâche très au sérieux. Notre seul espoir d'y entrer est d'en appeler à leur infinie sagesse. Il cogne très fort dessus. Elle leur a volé dessus aussi apparemment. Ou alors juste le mot de passe c'était « Je s'appelle Groot ». Et le tour est joué ! J'aime beaucoup Mantis quand même dans ce cas de la galaxie. Complètement timbré. Et tellement enjoué. S'il vous plaît, arrêtez de faire ces gros plans sur ces anus là. C'est pas tout ça avoir problème sur YouTube. Le bot il va détecter des trucs bizarres. Ah ! Qu'est-ce qu'on vient chercher là-dedans déjà ? Bon, ça va, je t'ai mis des gants quand même. On va pas être trop trempé là, je t'ai mis un vêtement. Et on est censé la croire sur parole, la tarée de l'espace ? C'est pas une tarée. Ouh, flippant ! Ok, c'est pas rassurant. Oh, c'est mortel, tu veux dire. C'est vraiment une bonne idée. C'est très joli ces cristaux. Peut-être que Drax a juste besoin de se reposer. Hein. Il a l'air d'aller bien. Presque. Mon emprise télépathique ne durera pas, petit poilu. Seuls les amis du vilain tout vert peuvent l'aider à faire... Attention ! Ouh ! Ouh ! J'ai failli ne pas le sentir à temps. Surtout n'oubliez pas, on fait ça pour Drax. Mais ce serait quand même plus simple si on savait ce qu'on recherche. Ah, ça, c'est sûr. C'est tellement plus simple quand on sait. Je veux dire, quand on sait vraiment. L'endroit est vraiment instable. Cette fichue grotte va tout c'est justesse. Oh non, pas tous. Pas cette fois, en tout cas. Ouf, ça c'était... Tu te la pètes un peu quand même, Gamora. Mais t'as le droit. T'as clairement le droit. C'est quoi cette planète ? Ça a pas l'air si terrible. Ça a l'air dangereux. Ça a l'air froid et mouillé. T'arrêtes pas une fois que tu seras dedans. On peut pas le geler, hein. Enquête. Le jeu il veut pas nous laisser ça. Au contraire, la mort par noyade est très fréquente dans le futur alternatif. Je n'ai pas si permissif que ça. Je l'ai entendu s'étouffer de nombreuses fois. Ok, bon, on va éviter de lui dire ça. Ah, je crois qu'il y a un... Il n'y avait pas un truc secret derrière la cascade comme dans tous les bons jeux vidéo. Ouais, c'est ça, il y a un costume ici. Que je comprenne bien. Ouais. Un costume là, je peux. Ah, cool ! Quoi que tu trouves là-dedans,
réacteur, ça valait pas le coup de se faire tromper. Oui, bon, là, je t'avoue, parce que je l'ai déjà pris, mais bon, c'était pour montrer. Je s'appelle Groot. Je sens qu'il va y avoir moins d'eau à partir de maintenant. Oh, tu te trompes complètement. Youhou ! Non, ok, oui, d'accord. Waouh, c'était plutôt chaud. Parfois, Gamora tombe ici. J'en doute. T'es sûr qu'on va dans la bonne direction, Mantis ? Oui, Gamora tomber, c'est pas son genre. Je crois, oui. C'est trop loin pour sauter. On va devoir chercher un autre moyen de traverser. Mantis, tu penses que Drax pourrait... Il ne faut pas déranger le vilain tout vert. Ah. Je déploie toute ma force mentale pour le maintenir dans le mensonge. Un seul faux pas, et je le perdrai. Ok, bon, moi je suis passé par là. Je vais regarder par ici. Il y a peut-être un autre moyen de traverser. Ah. Les prêtres ne parlaient jamais de ces grottes. Évidemment, elles sont bien trop dangereuses. Il y a des forces invisibles à l'œuvre, des machinations lugubres, des énergies mystérieuses. C'est pas pour... Il y a un moustique qui fait coucou, coucou moustique. Ça m'aurait étonné. Gamora, tu peux aller là, s'il te plaît. On va monter. Et pourquoi je ferais pas sauter ces rochers ? Oh non ! Je sens qu'il va tous nous tuer. Et toi, c'est quoi ta raison ? J'ai vu tellement de futurs où la boule de poil mourrait dans cette grotte. Un petit peu trop haut. Rocket, tu le sens bien, là ? Je m'en occupe. Rocket, écarte-toi et tâche de rester en vie. Ok. Ah, je connais ça ! Dans les premiers épisodes, on a vu ça. Problème résolu. Le plus gros problème reste entier. On ne sait pas ce qu'on cherche. Pense pas à ça. Pense à tout l'amour que tu lui portes. Pense à tout ce que Drax a pu faire pour nous. Cite-moi un exemple. Tu te rappelles quand il a sauvé notre peau en mignon morceau ? Il a sauvé ta peau. Il déplace un tas de trucs lourds. Et il lance des rochers. Ah ouais, il lance bien les rochers. Hein. Oh. On a eu plusieurs épisodes, il lançait bien les rochers. Le lancer de rochers est une fière tradition catassienne. Mine bien. Ouh. Oh, bon, j'aurais pas dû dire qu'il était beaucoup de mal, pas si fragile que ça. Dis-nous ce que tu ressens vraiment. Je viens de le faire. Si ça tourne mal, on trouvera toujours une autre armoire à glace. Bah, sympa. Drax est déjà venu à notre secours plusieurs fois. On va trouver un nouveau catcher. C'est Knarf, par exemple. La première fois que ce tigre à tête de pieuvre nous a attaqué. Qui ? La vermine ? Et la deuxième fois que la vermine nous a attaqué. Mantis, tu crois que cette brume est dangereuse ? Ah. On se fait attaquer par Smoker de One Piece. Ah non, c'est un... Ah d'accord, c'est un démon d'Orgon. Oh putain ! Oh putain ! J'avais pas envie de la revoir celle-là. Gamora, vas-y, défonce-le. Vraiment besoin de Drax, là. Il va être déçu d'avoir raté ça. Il avait deux vies en plus. Oh ! Oh, il a bouffé Gamora. Aïe, il m'a touché. C'est bon, je l'ai. Ouh, ouais. Un peu d'action, ça fait du bien. J'en reviens sur ce que j'ai dit. Le Drax qu'on connaît aurait été bien utile là maintenant tout de suite. J'aurais jamais cru qu'on trouverait ces bestioles sur cette planète. Elles étaient peut-être pas originaires de Seknarf. Peut-être que Hellbender. Surtout qu'elles sont toutes bleues, pas toutes blanches. Que Hellbender soit ici et qu'elle ait traversé toute la galaxie pour nous faire la peau. Elle en est bien capable, hein. Lady H veut nous tuer. Vous réalisez ce que ça veut dire ? Qu'on va tous mourir ? Je crois que je sais ce qu'il fait. Ça veut dire qu'on est une équipe ! Quand on saoule quelqu'un, on le saoule tous ensemble. Quelque chose me dit que ça sonnait mieux dans ta tête. Attendez, il y a un truc là. De la brume, des monstres, mais où qu'on est encore ? Cet endroit a toujours abrité un grand pouvoir. Les prêtres racontent l'histoire de ceux qui séjournaient ici avant eux, et les choses incroyables qu'ils pouvaient faire. Ces histoires ne me disent rien du tout. C'était juste pour ça ? T'étais pas prête à les entendre la première fois que tu es venue. Parlons pour du passé de Gamora. Tu faisais ici déjà, Gamora ? Oh, je connais la réponse. C'est la même dans toutes les chronologies. Je t'ai dit. Je suis venue ici pour me reposer. J'allais pas bien. On a dû la surveiller. Rappelez-moi ce qu'on est venu faire ici déjà ? Affronter les peurs enfouies au plus profond. Ou un truc du genre. J'aime pas trop ce quelque chose. Ok. Wouah, flippant. Je s'appelle Groot. Mais c'est une grosse grotte. Ah, il y a des tentacules. Oh, personne de normalement constitué mettrait les pieds dans cette furtraque de grotte aux merveilles. Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur Groot sent des yeux inquisiteurs posés sur nous. Ne t'inquiète pas, mon petit chou-fleur. Ah oui, là. On peut pas avoir un petit info là-dessus, non ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah ! Oh, bien, bon camouflage !
Écoute-moi ! Mantis, est-ce que ces créatures ont un rapport avec ce qu'on cherche ? C'est dur à dire, mais je ne crois pas. Ah ! Attends, je vais vous scanner, les gars ! Des Ogrod, d'accord, des Ogrod. Ok, ça marche. Oh putain, et ils me rappellent des gens. Oh, pas vous. Moi, ils me rappellent. Oh là, des certains molosses rouges. Bon, je dis ça. Ah putain, il me visait l'autre. Attends, je voulais charger. Je sais pas, peut-être qu'ils sont juste contents de nous voir. Oh non, impossible. Ouais, c'est bon, elle a lui retiré un petit peu de durance, c'est bien. Quand je recharge. Il est séché! C'est le moment! Oh putain! Non, attends! Ouais, c'est ça que je voulais faire! Ah, il me fonce dessus! Oh, c'est pas grave! C'est... Madame et Crafting, à peine! J'ai lui, c'est bon, je l'ai! Ouais, c'est bon, on l'a eu! Groot! Oh putain! Défonce-le! Ah putain, il avait des ondes de vie! Alors, c'est pas lui que vous voulez. Drax admirera sûrement ses dents sur pattes. On est sûr qu'ils sont pas de sa famille. Ouais, vas-y, Gamora. Oui. Mais c'est pas lui que je disais. Ouais, c'est bon, anne-moi. Oh là. On arrête avec les jeux. Oh putain, Drax, il aura pu porter le rocher là. Hop, esquive. Hop, esquive. Hop, c'est bon. Ouh, yes, en prenant la gueule. Oh, ça fait mal. Oui. Vas-y. Sous les bouchers. Admirez le travail. J'ai l'impression d'être Groot, soigne-nous un petit peu, ouais, merci. Qui est matin, oh, super patate dans les couilles. Oh, ça fait mal. Oh, la super patate dans les couilles. Ouh, il l'a senti celle-là. Ah, t'es peut-être un monstre, mais les couilles, par contre, tu les as bien senties, là, remonter jusqu'à la gorge. Bon, j'ai beau apprécier Drax, j'en ai officiellement la claque de cette grotte débile. Ah oui, effectivement. Le pathfinding, il est bien en jeu. Est-ce que tu es le visage de Pierre que nous cherchons? Je suis pas sûr que j'ai envie qu'il réponde. Si ça peut nous faire sortir d'ici. Bon, attendez, je voudrais scanner le gros. Voilà, merci, la grosse tête. Ok. Il y a plein de lore dans le jeu, hein, si vous voulez scanner tous les trucs. Nous devons le ramener sur la terre ferme. Mais nous devons aussi rester ancrés dans le positif. Nous sommes sa bouée de sauvetage. Restez positif. Il y a un trou là. C'est pas vraiment notre spécialité. Ok, tu peux y aller dedans, Bo. Rocket, tu penses pouvoir entrer là-dedans? Pourquoi? Pour me faire dévorer par la créature qui vit à l'intérieur? Les visages de Pierre. Ce qu'on cherche doit se trouver au-delà, derrière ou en dessous d'un de ces visages. Allez, Rocket. Je parie que tu peux trouver un moyen de passer. Ouais, ça va. Ça sent les œufs de pique pourris là-dedans. Ok, je place la charge, reculez. Je ne crois pas qu'il nous tue dans cette version. Bah, apparemment non. Par contre, il y a un truc là. Les Kotati t'ont dit autre chose à propos de cet endroit, Mantis? Ils ont pas précisé que c'était super dangereux et complètement débile de s'y aventurer. Oh oui, on peut pas y... c'est très dangereux et ancien. Un danger ancien. Bon bah, merci Gabor, je pensais que ça allait être Groot qui allait plus nous aider. Certains ici, d'autres ailleurs. D'accord, il y a quelqu'un qui va essayer. Il est vital de les affronter. Tu sais... les fuir, c'est bien aussi des fois. Pour toi, Tartare, oui. Mais pas tout le temps. Tu le découvriras bientôt. Quoi? Tu vois quelque chose, Mantis? Je vois tellement de choses. Trop de choses. Les ombres d'une civilisation qui vivait ici autrefois. Des visages tristes qui, comme moi, peuvent voir les horreurs à venir et... d'autres ombres. Les nôtres, celles d'étrangers et une silhouette qui nous observe. Là, maintenant. Ou qui nous observait avant. Je vois des rochers et... Moi, une grosse tête. Des cristaux. Et les cristaux sont jolis. Des statues en forme de visage et encore des rochers. Je préfère ta version. Des stalagmites et des stalactites. Je vois autre chose. Je vois des amis prêts à mourir pour leur ami. Ouais, enfin... j'espérais qu'on n'en arrive pas là. Moi aussi, Starlock. Moi aussi. Oh merde, j'ai loupé. Ah merde, mes armes ont encore disparu, j'ai encore le bug des armes qui disparaissent. Apparemment avec ce costume ça arrive souvent. Ah ça marche pas, on peut pas faire ici mais... ah bah oui. C'est moi ou ces cristaux ont l'air super dangereux? Ne t'inquiète pas petit poilu, il n'y a que deux chronologies où tu fais une chute mortelle.
Oh, ça va, que deux. Ah, du coup, c'est par là. Alors, du coup, pourquoi j'ai fait exploser la tête, moi? Ah, je peux pas revenir en arrière. Bon, c'était sûrement pour encore un secret, pour avoir des objets. Ah, j'ai okay. Encore la sensation, là. Les poils de Manux sont tout hérissés. Je la sens aussi. On doit passer sur ces cristaux, Groot. Je t'appelle Groot. Laisse Quill passer en premier, je veux pas que tu tombes. Bon, c'est sympa, merci, Rocket. Je commence à me rappeler, je crois. On doit faire très attention ici. Je crois que ce que tu vois, c'est une version où je te pousse dans le vide. Petit poilu. Ton mauvais caractère est une des marques constantes dans tous les continuums espace-temps. On va rien dire, on reste mystérieux. Petit fil conducteur enragé. Je suis le seul à penser qu'elle se paie notre tête. Je la trouve extrêmement compréhensive, en fait. Enfin, tout est relatif. Oui, je sais. Je s'appelle Oh, mon petit bourgeon, il n'y aura jamais d'incompréhension entre toi et moi. Oh, mais trouvez-vous une chambre si ça continue, hein? Ça joue mille mensonges, je crois. Il va nous aider à sauver Drax? Non, il veut nous empêcher de le sauver. Ce qu'on cherche se trouve derrière le visage, au-delà des mensonges. Tu veux que je fasse tout péter? Ça devrait pas être notre réponse systématique. Oh, je peux monter là? Non, je peux monter. Ok. Comment je fais? Il va falloir descendre, mais comment je fais pour monter là-haut, moi? Ah bah voilà, j'ai pourtant fait. Ok. Je sais, ça sert à rien de les ramasser, mais je peux pas en empêcher. Bon bah c'est parti pour la glissade. Oh putain! Oh, c'est bon, j'en ai. Merci. Bah allez-y, je vous regarde. Tire pas toujours. Les Kotati ont parlé de visage dans le noir. Ouf. Mais j'ai toujours pensé que c'était une image. La punaise est complètement zinzin. Bon, il est gros titriche, on a compris. D'abord que je suis en colère. Je suis tout trempé. Et je cours après je sais pas quoi dans une grotte qui s'effondre. Gamora. Tu peux nous ouvrir le passage, Gamora? Oh, et puis zut, hein, j'y vais. Non, fais pas ça. Go. Tu veux pas que je coupe ça? Non, attends, pas toi. Il va se passer quelque chose de grave. Ok. Petit poilu. Oh la barbe, je reste pas dehors. Ok. On fait sauter cette statue, on sauve Drax et on prend la poudre en escampette. Oui, mais... Il est temps de suivre notre instinct, Quill. Ah oh oui, il est déjà passé de l'autre côté. Le visage nous empêche d'aider Drax. On doit le détruire. Petit poilu, ne fais pas ce que tu t'as prêté à faire. Non, j'en ai rien à la moustache, hein, moi, les deux vidéos. Tu ne t'apprêtes pas à... Non. Écoutons ce que Mantis a à dire, ok? Laisse-moi réfléchir. Si jamais la grotte s'effondre, au moins on n'aurait plus à se battre avec lui. Peut-être pas là. Groot, tu veux pas. Attends, mais rentre dans ce trou! Titre! Le petit poilu n'en fait qu'à sa tête. On va tous mourir. Elle l'a dit ou elle l'a pas dit que ce truc nous barrait le passage? Oui, mais. Mais on fait rien! Enquête, non! Oh oh. C'est le camion avant la tempête. Oula! Okay. Au bordel, il y a un gros cristal. Je te pose souvent la question, mais... Tu veux connaître le plan? Ouais. Je pense qu'il faut courir. Attention aux boules! Parce qu'il y a le cristal. Et boules de cristal. Ah! C'est wow. Eh bah ben, c'était chaud, heureusement que le mulet m'a sauvé. C'était moi une. Je te le fais pas dire. Oh, mais je l'ai dit. Mantis. Ah oui, on a oublié ce petit souci là aussi. Où est la matriarche? Dans ton cul? C'est celle où je rate mon coup. Même pas gros de... On essaie de t'aider. Gros putain. Oh, de nouveaux super pouvoirs de flingue. Ouh yes, j'ai gagné l'antigravité. C'est pas grave. Celle où je rate mon coup, c'est celle où tu réussis. Chut. Reste avec moi.
J'ai eu chaud, Rocket, quand même. On a eu chaud. Il a failli nous tuer. Plus d'explosifs à partir de maintenant, Rocket. C'est fini. Tu vas regretter d'avoir dit ça. Star Truck, tu es Spartoï. Pourquoi je le savais pas? Tu ne l'as peut-être pas toujours été. Ou j'ai oublié. Bah dans un certain film, je suis pas Spartoï, je suis un espèce de demi-dieu. Après que tu as failli nous tuer. Comment un flingue a pu faire ça? Montre-lui, Starak. Star Academy? Non, tu te trompes, c'est pas ça. Bon, ok, on utilise le nouveau pouvoir. Oh, mais avec mes flingues invisibles. Ah, c'est quand même plus stylé quand je fais tout sauter. Pas vraiment, non. La prochaine fois qu'on se fait attaquer de partout, vous allez me supplier de tout faire sauter. Bah, allez-y, descendez sans moi. C'est moi le capitaine quand même. Je me souviendrai de ça. Ouh, ça glisse bien. Bon, par contre, j'espère que ça va pas brûler le cucu parce que. Encore cette drôle de brume. Estimez-vous heureux de pas être au ras du sol? Oh, le petit poilu ne se fait jamais tuer par le gaz ici. Seulement par les chutes, les rochers, les chitori. Wow, attends. Tout. T'as dit chitori? Oui. C'est un mot tellement rigolo. Ah. Ok, abonnez. Oui, ah d'accord. Ok. C'est pas possible. Ok. On sait qu'on reverrait jamais cette saleté. J'espérais qu'on les reverrait jamais. Hop là. Hop là. Hop là. Vous aussi vous avez des armes invisibles? Ah non, c'est carrément dans vos bras des canons, ok. Bon, Gamora, au cul de lui, c'est fini. Ah oui, tu l'as loupé quand même. J'espère ne plus jamais croiser de Chitori. T'aurais pas pu nous prévenir que des Chitori se cachaient dans cette grotte? Ok. Bon, bah ça, je crois que ça a marché. Ah, mais c'est des machins, mais oui, les petites bouboules. Oh putain! Oh Groot, bien joué! Oh putain! Oh! Ah yes! Home run! Oh! Oh! Petite explosion! Merci! Avec la chance qu'on a, les tirs de Hellbender nous attendent de l'autre côté prêts à attaquer! La vengeance d'Hellbender est vraiment la dernière chose dont on a besoin! Ah! Salut lui! Je te rappelle que c'est à cause de toi qu'elle. Vas-y, téléporte-toi! Oh bien! Enfin, ces types peuvent pas faire une croix sur le passé. Ouais, ils ont pas ramené une armée de blobs avec eux. C'est bon, les. C'est horrible, ces trucs. Bravo, tu nous as posé la toile. Oh putain, y'a tout. Ah oui, y'a tout. Les monstres dont je parlais. Une créature du brouillard. Oh, patate. Oula. Vite de la glace. Y'a un truc mortel et poissu qui veut sa peau. Oui. Attention, un pic. Wouh! Allez, Rocket, la lance putain de bombe! Merci! Gamora! Merci! Ah, pardon, excuse-moi, je crois que c'était une méchante! Ah, il est là! Oh merde, je lui fais un patate! J'appelle plutôt ça un allumé! Il descend de là! Voilà! Nova complètement éliminé pourrait se ramener aussi. Oh oui, c'est vrai que ce serait pire. Ah, sérieusement. D'après Monty, il est encore nous. Ouais. Se trouve ici. C'est logique que l'église ne veuille pas qu'on le trouve. On va dans la bonne. Gamora, peut faire quelque chose, il est chiant lui. Ah, maintenant c'est les. Ok, les cartes de Nova, la police. Bah là, au moins, on sait qu'on du brouillard. Oh. Bah, tchat! Bon, là, Gamora, par contre, tu fais exprès! Hein. Trouvez-moi une ouverture! Wouh! Ça vole! Attendez, est-ce que je peux vous amener par ici, les gars? Ce serait plus simple! Hop. Ah, merci! Là, il s'en remettra pas! Attends! Je me demande ce que cet endroit nous réserve encore! J'ai pas du tout envie de savoir! Pour une fois, je suis d'accord avec Rocket. Patate. Ouais, double patate. Oh, mais non. Si quoi que ce soit d'autre surgit de la brume, j'abandonne. Oui, merci Rocket. Attends, on peut utiliser le nouveau machin. C'est vrai que j'ai ça maintenant pour les attirer. Oh, okay, bon, pat, super patate. Trop étrange. Hey, suis pour rien. Putain, merde. J'ai par ici. Par ici. But... Okay. Ouh, merci! Tu vas la croire, ce temps de faire ça, décoper la promesse! Comme là, nous! Ah merde, ok, d'accord.
Ah d'accord, mais lui il est pas fini, ok. Mais non, je visais lui. Hop, contre-attaque. Ah, super. Crétin de Nova. Merde, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Encore une fois, ça vous dit? Je peux pas la, je peux pas la tirer. Ah, j'ai pris. D'accord. Il est grand temps que je poignarde quelqu'un. Ah, merci. Voilà. Oh, drop kick dans sa gueule. Par fantôme. Oh, il a un peu bugué quand même, lui là-haut. On va bien, Mantis. Oh, salut Gamora. T'as l'air moins déprimé. Attends, on a déjà parlé de ça, pas vrai? Ouais, en effet. Mais cette chose te contrarie toujours, n'est-ce pas? Quelle chose? Je vais bien. Concentrons-nous sur Drax. Il va être trop... Oh les cailloux! Quelle taille elle fait, cette grotte? Trop grand, mon ami. Attention! D'autres monstres de pierre! On est peut-être parti sur des mauvaises bases. Oh, c'est marrant, ça! Ce sont les habitants de la grotte. Des cornichons mous! Oh, sérieux! De vouloir faire la paix, Quill! Oh, je peux peut-être vous aider. Je crois que je parle leur langue. Gamora! Oh, merci! Mais on va s'arrêter là! Oh, je fais un cliffhanger pour le prochain épisode. Voilà. Des combats encore contre des gros machins en rocher, en plantes, je ne sais pas quoi. C'est le bordel. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne Zekratos, appuyez sur la cloche pour rien louper des prochains épisodes. Salut tout le monde et portez-vous bien!